À l'occasion du 25e anniversaire de la fête du trône, je suis très honorée d'exprimer, en mon nom propre et au nom de tout le personnel de l'ambassade du Rwanda auprès du Royaume du Maroc, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de bonne santé et de prospérité à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Je souhaite également davantage de progrès et de bien-être au peuple marocain. Cêt événement revêt une importance particulière cette année, car il célèbre le quart de siècle de leadership visionnaire, de réformes entreprenantes et de progrès remarquables sous le règne du souverain. À travers cet anniversaire, le Rwanda célèbre également des relations fructueuses avec le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ces relations se sont consolidées suite à la visite officielle du président Kagame au Maroc en 2016, suivie par la visite royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Rwanda la même année. Depuis, nos relations bilatérales ne font que progresser. En 2017, le Maroc a ouvert pour la première fois son ambassade au Rwanda et le Rwanda a fait de même en 2020. Ceci a marqué ainsi un tournant décisif dans les relations de nos pays frères. Depuis 2016, le Rwanda et le Maroc ont conclu plus de 40 accords de coopération avec des investissements directs dans l'agro-industrie, les services financiers, l'industrie pharmaceutique. Dans le domaine de l'éducation, le Maroc offre 100 bourses d'études au Rwanda par le biais de l'Agence marocaine pour la coopération internationale. Afin d'évaluer ces relations, la deuxième commission permanente mixte de coopération entre le Rwanda et le Maroc, qui est un cadre formel pour évaluer le niveau de la coopération bilatérale, se tiendra d'ici la fin de l'année. Cet anniversaire est une occasion pour réitérer notre souhait à consolider les liens de fraternité et de coopération qui unissent nos deux pays au service du bien-être de nos peuples. C'est aussi une opportunité de louer la vision partagée de nos deux leaders, le président Kagame et Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour plus de coopération sud-sud, afin d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour l'Afrique que nous voulons. Encore une fois, au nom de l'ambassade du Rwanda auprès du Royaume du Maroc et en mon nom propre, j'ai l'insigne honneur de présenter les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ainsi que tout le peuple marocain à l'occasion du 25e anniversaire de l'ascension de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône de ses ancêtres glorieux.